Hello, hello! C'est JKB, et c'est de retour à Saint-Bernard. Qui se passe pas mal du tout. Qui s'est développé pas mal du tout. On est aujourd'hui dans le 7e épisode. Et aujourd'hui, on va s'occuper des piétons et des cyclistes. Parce que pour l'instant, au niveau des déplacements par la route, on n'a pas de problème majeur. C'est plutôt fluide un peu partout, ça se passe pas mal. Au niveau des déplacements en transport en commun, on a un réseau de bus qui assure aussi pas mal son rôle. Mais on peut améliorer un petit peu les choses en facilitant la vie pour les piétons et les cyclistes, et ça sera aussi des opportunités pour embellir un peu les lieux. Donc aujourd'hui on va commencer par faire ça et puis ensuite ça sera selon l'humeur du moment. Alors, on va commencer par notre centre-ville ici où on a un dépôt de bus. Qui est pas mal fréquenté évidemment. Comme presque toutes les lignes de bus arrivent ici. Et qui provoque pas mal de trafic piéton aux alentours. Donc, je pense qu'il faudrait. Je pense qu'on va faire un premier raccourci ici. Je sais plus si on peut faire des passerelles piétonnes par-dessus. Non, ça il ne veut pas. Et il ne veut pas parce que ça me met un pilier. Si je me mets là, ça me met un pilier aussi. Ok, mais je peux faire ça. Ça va. D'accord. Ici à l'intérieur, je vais plutôt faire un parc. Je vais prendre un parc. Je vais le mettre ici. Je vais mettre carrément ici au coin. Voilà. Et puis on va étendre ce parc. On va étendre un peu ce parc pour remplir le reste de l'espace. Est-ce que je peux faire ça? Je peux faire ça. Et ensuite partir en ligne droite jusqu'ici. Voilà. Faut rajouter un sentier aussi ici, je pense. Non, je suis allé trop loin. Ça. Ça. Voilà. Ce qui permet de traverser complètement. Quand on est à pied, on va ajouter quelques arbres purement pour la décoration. En essayant de rester dans le style de l'existant. Voilà. Ça sera pas mal. Voilà qui est déjà un bon début. Ici on a du bus. J'ai envie aussi de promouvoir le cyclisme dans la ville. Alors une première chose que je vais faire, c'est activer dans la politique. Est-ce que je peux... Ah, je peux pas encore le faire. Horreur. Je ne peux pas encore le faire. Ça arrive quand? Enfin.
renforcement du vélo. Me dit que je l'ai depuis 4600 et je ne le vois pas. Ah, c'est ici. Renforcement du vélo. Une politique qui va encourager l'utilisation de vélo. Et je ne mets pas l'interdiction de vélo sur les trottoirs, parce que de cette manière, les cyclistes vont pouvoir prendre aussi les sentiers piétons. Si j'applique ça, ils ne peuvent pas emprunter les sentiers piétons, et donc il faudrait que je prévoie des pistes cyclables en soutien. C'est plus simple de faire ceci. Et alors, comme on va renforcer l'utilisation de vélo, on va prévoir des itinéraires avec ceci, piste cyclable. Les gens qui arrivent en bus auront peut-être envie d'utiliser ça, donc piste cyclable qui partent de là et qui traversent entièrement jusqu'ici, qui vont traverser ici. Ceci, ça deviendrait une avenue, je pense. Ouais. Ça serait peut-être mieux que ça devienne une avenue. Peut-être pas tout de suite, parce que le trafic ne le justifie pas encore. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai cliqué de travers, désolé. Réparer la zone. Hop, désolé pour le dérangeant. Dans l'immédiat, je vais rajouter des pistes cyclables ici. Ici, il va y avoir des pistes cyclables sur toute la longueur. Là. Puis ici, sur le pourtour. Bien. Donc on a ça comme itinéraire cyclable. On va faire de ceci aussi un axe cyclable. Ça aussi. Que ceci à l'extérieur, ça peut aussi devenir cyclable. Voilà. Côté commercial, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que ce qui est ici sur le pourtour, ça va être cyclable. Cyclable sur cette rue-ci. Je vais en faire un autre ici. Ça aussi, ça va être cyclable, ou plutôt ici. Pour rejoindre deux, on va dire que ça, c'est cyclable aussi. Et ici, je rejoins effectivement un itinéraire cyclable sur le côté. Bien, et quand j'arrive ici, je peux partir, on va dire par là.
Ça sera pas mal. Sera pas mal. Ça va déjà faciliter un petit peu la circulation à vélo dans la ville. Je vais faire une boucle cyclable ici. Tiens. Hop. Voilà. Qui fait que si je viens, disons, de là, je peux prendre mon vélo, rouler ici, traverser ici. Accès à tout ça facilement. Puis de là, je peux tourner vers les bureaux. L'ancienne zone industrielle qui est maintenant une zone de bureaux. Là qui est pas mal. On a un obstacle cependant, c'est ce fameux boulevard. Alors pour ça, on va faire le premier sentier piéton surélevé. Et je vais en faire un ici. On va faire quelque chose de double. On va mettre un sentier au niveau du sol et un sentier aérien. Alors ici j'ai du cyclable. Je vais partir de là. Monter ici. Hop. Traverser la rue. Et puis redescendre ici, à proximité du passage piéton. Et à côté de ça, on va mettre. Désactivons ce guide-là. On va mettre ici un passage direct pour ceux qui sont sur ce trottoir-ci. Et puis entre les deux, on va dire que ça va être des bureaux. Et il y a déjà des utilisateurs. Et voilà, et comme je disais, comme au niveau politique, j'interdis pas les vélos sur les trottoirs et que ça compte comme un trottoir. Je me retrouve avec des cyclistes et des piétons. Et comme en passant par là, ils ne doivent pas attendre pour traverser, ils favorisent ce genre d'itinéraire aérien. Ça en fait déjà un, on va en faire d'autres. Par exemple, pour couper au travers de ça. On va déjà commencer en aérien ici. Prendre là. Et aller jusqu'ici. Espace déjà occupé par. Venir ici, ouais. Plus court, non. Voilà. Redescendre là. Relier ça à cette passerelle. Avoir de l'utilisation à un moment ou l'autre. Il faudrait avoir un accès quelque part par ici. Si on va faire une petite courbe, on va faire quelque chose comme ça. Voilà, je peux laisser zoner ici, comme ça ils vont reconstruire ici. On va peut-être mettre un arbre pour la beauté.
plutôt non. Ou plutôt non. On va dézoner ça. Et on va permettre ici de soit monter, soit traverser directement. Voilà. Soit monter, soit traverser directement. Et on va décorer cet endroit, on va en faire un petit parc improvisé. Sans exagérer, ça serait déjà pas mal. Et il y a déjà pas mal d'utilisation. Donc, à ce pâté ici, on peut descendre facilement. Je devrais faire le même genre d'accès à celui-ci. Je pense que je vais partir perpendiculairement et faire une longue passerelle au travers de tout ça. Peut-être même la faire dans le prolongement de ceci, tiens. Jusqu'au boulevard. Jusqu'au-delà du boulevard. Attends. Tu as quelle distance ici? Je suis à deux cases. Ici au boulevard, je devrais être ici pour être bien droit. Voilà qui est bien. On va faire un passage qui est bien. Je vais partir par là. Descendre là, je suis à proximité de passage piéton, ça c'est bien. Ici j'ai une opportunité pour faire quelque chose en diagonale. Quelque chose comme ça. Chose comme ça, et je suppose que ici la connexion s'est faite. Il m'en affiche une, donc a priori ça devrait être bon. Ça, je force à le faire. Et on va décorer un petit peu. J'ai comme zone ici. Ah, ici j'ai pas mal de place. On va faire un vrai faux parc. Ça. Et là on va mettre quelques arbres. Voilà qui me semble bien. Ça, ça me plaît pas, on va le camoufler. Ah, il fait sa mauvaise tête. Voilà.
Alors, est-ce que j'ai du monde ici? J'ai déjà du monde ici. Et ça manque un peu d'accès. On va en faire un qui descend ici. Voilà. On va en faire... un qui descend ici comme ça. On va le faire en plus large. Comme ça, c'est bien. Reconstruirons. Là, et peut-être... ça, ça va provoquer pas mal de trafic piéton. Je vais faire... un passage direct piéton ici. Puis de là. On va faire ça. C'est moche ça. Voilà qui est mieux. Je sais qu'un nouveau terrain est disponible. Mal. Je ferai une rampe d'accès directement ici. Là. Alors ici par contre c'est pas couvert. On va aller ici. Descendre ici. Descendre ici. Et... descendre ici. Il y a déjà un pilier là. On va descendre ici. Ah oui, ça c'est un peu réel, effectivement. Descendre comme ceci. Là qui est pas mal pour ce côté-ci de la ville. Décorons un peu.
Alors, ça, je vais le continuer jusque là-bas. Je vais partir dans cette direction-ci aussi. De l'école peut-être. C'est une aire de jeu, je peux pas relier de chemin à ça. Je peux continuer le chemin ici? Ah non, il veut pas. Si je retire ça. Non plus. Ok. Et à partir d'ici, ouais. À partir d'ici, je peux couper le pâté de maison là. Même traitement décoratif. Un autre là. Voilà qui fait un parc sympa. Alors, par ici, je vais leur permettre de traverser directement depuis la passerelle. Par ici. Ça. Est-ce que je peux déjà descendre d'un étage? Non, ça y vaudra pas à cause du boulevard. Faire ceci. Voilà. Et ici, un passage direct. Pas forcément très beau, mais si je fais ça, ce sera bien. Bien. Bien, bien. Je mérite un buisson ou deux ici. Ça, c'est ça. Là, ce sera pas mal. Qui est au coin? Un train là. Voilà, ce qui fait un accès facile pour la station ici, la gare routière. Si je montre juste les trajets piétons et cyclistes, j'ai effectivement des gens qui viennent sur la passerelle. Ils descendent pour aller prendre le bus.
L'objectif est donc atteint. Si j'ai pas oublié des endroits qui seraient très pertinents à faire. Ah, ici, ça serait déjà pertinent de mettre du goudron. Hein. Ce sera déjà un minimum. Les trous dans les zones aussi, là. Non. C'est pas que je voulais faire. Peut-être faire un coup ça voilà pas aussi loin parce que ici je vais faire une rampe qui descend comme ça. Ça coupe tout. On va pouvoir faire une rampe d'accès disons là. Comme ça. Ça va, on va la décorer un peu. Histoire que ça se fonde un petit peu. Dans cet angle, c'est bon. On va rajouter quelques arbres ici aussi. Hein. Oui. Ou un passage direct. Bon, c'est pas nécessaire parce qu'ils peuvent directement prendre ici par le coin. Bon, un passage direct n'est pas nécessaire. Décorer un petit peu. Voilà. On peut accéder d'ici, on va devoir pouvoir accéder d'ici. Même genre de choses, je vais venir ici. Hop. Descendre en diagonale. On peut les laisser reconstruire là, ça sera pas mal. Et de ce côté-ci, je vais faire un passage direct. Passer à notre toit, à l'autre. Et ici dans les bureaux, je vais vous faire une rampe d'accès. 4, 4. Voilà. Ils peuvent reconstruire ici. Et entièrement. Entièrement, on va les empêcher de construire là. Ici, comme j'ai un petit dénivelé, on va sortir les pierres. Alors, les pierres, à chaque fois qu'on les positionne, la suivante est un petit peu différente au niveau de la taille, mais c'est exactement la même orientation. On peut la faire tourner en maintenant clic droit enfoncé pour changer son orientation. Pour avoir un peu de variété.
et que ça choque pas, moi. Ça. Ça. Une petite rangée rocheuse ici. Voilà. On va mettre des buissons aux intersections, surtout au-dessus. Je peux en mettre un grand ici. Voilà. Ça, ça camouflera bien. Voilà qui est bien. Et de l'autre côté, quelques buissons et un arbre. Un arbre. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Et c'est déjà pas mal fréquenté. Ici, ça mérite un accès. On peut trop incliner. Si je fais ça, ça va. Et je vais faire la même chose, je vais mettre aussi un passage direct là. Comme ça, si on vient d'ici, on peut descendre, contourner, prendre là, et on y est directement. Dézoner ça, et planter. Non, c'est ici. Bien. Bien, donc, je vais mettre la simulation en pause, le temps de m'assurer que mes itinéraires de vélo sont pas mal. J'en ai un qui fait tout le tour, qui vient ici, vélo, vélo, vélo. On va prendre par là, ce serait peut-être pas mal de pouvoir prendre un vélo ici. Je dis de pouvoir prendre un vélo. Ils vont rouler en vélo sur tous les types de rues, c'est juste qu'ils vont favoriser les pistes cyclables, parce que là ils peuvent rouler en toute sécurité et beaucoup plus vite que sur un trottoir ou sur une laissée passerelle piétonne. Mais ils vont quand même rouler un peu partout en vélo. Ok. Là ça descend, là j'ai le pourtour. Ça c'est bien. Peut-être mettre un raccourci là. Ici. Pour les piétons qui viennent de là, qui peuvent traverser et puis aller directement là-bas. Et on va remplir ça avec des bureaux, je pense. Je vais mettre un passage ici. Non, je vais ramener ça. Descendre là et à côté, juste à côté, mettre un passage et ensuite je vais zoner tout ça en bureau. Des bureaux, des bureaux, des bureaux. Ça, ça peut rester tel quel. Ici, on va mettre des bureaux au coin.
Et là, on décorera un petit peu. Je crois que les bureaux se seront installés. Est-ce qu'il y a de l'eau là-dedans? Il y a de l'eau là-dedans. C'est bien. Alors, oui. Le cycliste ici, j'ai tout le pourtour. Bien, bien, bien. Ici, il faudra un raccourci. Juste là, en direct. Ça. On va courber un peu vers ici. Non, ça ne verrouille pas l'angle. Courber un peu vers ici. Voilà, bien. Faire un aussi ici, juste en ligne droite. Et pour toutes les rues où on n'a pas de piste cyclable, je vais mettre jour en route avec des arbres, parce que les arbres diminue la pollution sonore. Comme on est avec quand même... Enfin, surtout dans ce genre d'endroit, ça sera important, dans ce genre d'endroit aussi. Pour le reste, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de trafic, donc c'est pas vraiment nécessaire, mais c'est toujours apprécié, et du coup, ça permettra de... Ça permettra l'amélioration des bâtiments. Donc autant le faire. Au niveau entretien, 48 par semaine, ce qui est, allez, à peine plus cher que les routes normales, donc autant le faire. On voit que c'est apprécié. Il y a tout ça. Ceci. Ceci. Cette route-ci, celle-ci, ici, là. Ça c'est cyclable. Oh. Que j'en ai pas loupé. Je pense aussi qu'il faudrait permettre aux piétons de passer de là à là sans devoir contourner tout. Donc on va mettre juste ici un passage direct. Voilà. Simple, méchant et efficace. Ça c'est bien. Je pense que dans tout ça, je n'ai pas oublié de rue normale. Ok, côté zone commerciale, c'est le même traitement.
mettre un petit bout de piste cyclable ici, tiens. Voilà, voilà. Et voilà, ici. Ce sera très bien. Voilà qui est très bien. On peut relancer la simulation. Je pense que je vais connecter cette passerelle à celle-là directement. En ligne droite. Jusqu'ici. Et refaire un accès. Une descente ici. Il va me dire que c'est trop serré. Non. Je vais faire ça. En trop incliné, si quand même. Je vais essayer quelque chose. Venir d'ici. Monter un peu jusque là et puis connecter comme ça. La partie ici c'est un peu abrupt. On va la faire plus grande. Voilà qui est mieux. Et entre les deux, un passage direct. Quoique j'aime pas beaucoup l'angle que ça forme ici. Peut-être faire une plus grande courbe. Et du coup là j'ai plus beaucoup de place pour construire donc non. Je vais quand même resserrer ça. Je vais le faire en plus serré. Ah, hop. Voilà. Et là je pars en ligne droite. Par là. Et par là. Casse ici pour supprimer ce pilier. Le faire en un seul segment. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir faire ceci. Et ça sera pas mal. Bien. Je viens d'ici, je peux descendre là. Je vais permettre de descendre là. Ah non.
permettre de descendre là. Et puis ici. Juste ici. Tout est construit. On va faire ça. Et on va faire ça. On va faire même ça. Et un petit peu de décoration. Ça sera supprimé quand ils vont construire dessus. Mais dans l'immédiat, c'est pas mal. Bien. Ça c'est pas mal. Tout ce coin-ci n'est pas couvert par des passerelles. On va y remédier. Par exemple, en prolongeant celle-ci. Celle-ci, disons, celui-ci. L'espace déjà occupé par quoi? Ah. Disons, jusque là. On va se connecter à ce réseau là. Quelque part ici. Je dirais que ça se présente pas bien au niveau des piliers. Ah, c'est le parc. Je refuse que j'enjambe le parc. Qu'importe, on va passer à côté du parc alors. Voilà. Pente trop inclinée. On va faire une rampe courbe. Là, les gens qui ont traversé ici voudront certainement descendre directement pour faire aussi une rampe courbe comme ça. Et alors, de ce côté-ci, ici ça risque d'être un petit peu complexe. Quoique, on va partir de là. Monter ici. Continuer tout droit. Est-ce que je peux... Ah, presque. Ici, et puis je vais faire une courbe pour relier les deux. Le guide. Et ça marche. Ça marche. Je vais faire alors ici, comme j'ai déjà un passage
pour les piétons. Ah, je suis trop près du parc. On va faire ça ici alors. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Une rampe d'accès ici. Droite. Il m'en faudrait une quelque part par là. Ils ont ça, simple et efficace. Et puis c'est pas mal. Ou par contre, il dirait que j'ai un problème d'électricité. Disponibilité électrique insuffisante. Je peux rajouter comme électricité. J'ai pas encore accès aux centrales solaires. Et au niveau évacuation des déchets, ça ne justifie pas de faire un incinérateur en plus, donc on va rajouter de l'éolien. Trop mal souffle. On va en mettre. Et... ça va être pas mal. J'ai eu un incendie là. C'est Timor, est-ce que j'ai une bonne couverture de pompiers? Ah, ici, on va rajouter une caserne de pompiers en plein dans l'industriel là. Détruire ces ruines. Voilà. Bien. Et ici, ça se reconstruit bien. Accélérer un peu la reconstruction. Et je vois que mine de rien, ça fait une heure. Donc on en restera là pour cet épisode-ci et on s'occupera des... de faire le même genre d'amélioration dans les deux petits villages à l'épisode prochain. Prenons un piéton. Un cycliste. Et je vous laisse là-dessus. Encore une fois, merci pour ceux qui ont suivi le... merci à ceux qui ont suivi le direct. Et si vous voulez récupérer les précédents épisodes, histoire de voir d'où on vient, c'est tout ça est également archivé sur YouTube. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo sur Twitch, qui permettra d'aller trouver... les précédents épisodes sur YouTube, il y a une petite playlist qui a été faite. Ce sont des épisodes d'une heure, comme pas comme maintenant. Donc, merci, merci. À la prochaine, donc à après-demain. Et dans les médias, à ciao, bonsoir.